La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib hop 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 Bib hop Bib hop Parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 4. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Triste Tigre de Neige Sino aux éditions POL. Triste Tigre est un livre inclassable, hybride, entre récit personnel et essai philosophique. Et s'il s'apparente à un essai, c'est un essai décousu, revenant sans cesse sur les points de blocage, sur les questions auxquelles il ne trouve pas de réponse. Il emprunte néanmoins le genre romanesque en décrivant une histoire, avec ses protagonistes et leurs drames. Dans Triste Tigre, Neige Sino nous embarque avec elle dans sa vie et son esprit tourmenté par des années d'abus sexuels subis dans son enfance, commis par son beau-père. Son calvaire commence à l'âge de 7 ans, lorsque sa mère se remet en couple avec un jeune guide de montagne, un homme attirant et apprécié en société. Mais la petite fille refuse les marques d'attention à son égard, ce qui lui est insupportable. Et le drame commence. L'autrice ne s'attarde pas longtemps sur les faits, les détails crus sont peu nombreux, mais ils sont là, néanmoins, et nous rappellent à la dure réalité. Ce livre est un voyage très particulier, dans lequel nous revenons constamment sur un point central, le drame des abus sexuels qui ont marqué à tout jamais l'autrice. Elle dit « Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait. » Un abus sexuel sur un enfant n'est pas un accident de la vie, c'est une humiliation profonde et systémique qui détruit les fondements mêmes de l'être. Et elle précise « Les conséquences du viol affectent depuis la faculté de respirer jusqu'à celle de s'adresser aux autres, de manger, de se laver, de dessiner, de parler ou de se taire, d'apprendre, de penser, d'habiter son corps et sa vie, de se sentir capable de simplement être. » Dans sa volonté de comprendre l'impensable, l'autrice se nourrit de littérature. Elle puise dans l'histoire et les études psychologiques et sociologiques. Elle essaie ainsi de rendre le drame et l'horreur de l'inceste intelligible, de le décortiquer, lui enlever son pouvoir de domination. Elle interroge avec des mots simples la nature humaine et la part du mal dans l'humain. Elle dit « Est-ce que nous avons été, créés, mon violeur et moi, dans la même glaise? À quel point sommes-nous semblables? Est-ce qu'il existe vraiment une possibilité pour moi de le comprendre ? » Ce livre interroge, cherche les réponses, mais surtout, c'est un livre qui parle du courage, de la volonté de vivre, de survivre et de protéger les autres. C'est d'abord le courage de dénoncer son violeur, non pas pour se venger ou se protéger soi-même, mais pour protéger ses frères et sœurs. Elle dit « C'est mon incroyable détermination à écarter cet homme, la force que j'ai mise à vouloir mener ma vie. C'est la réponse que j'ai choisi d'apporter à l'agression. » Et ensuite, c'est le courage d'écrire et d'inscrire son texte dans une longue histoire littéraire sur le sujet de l'inceste. Ainsi, ce livre permettra peut-être à son tour de protéger, plus largement encore, les autres victimes d'abus, en les aidant à nommer les choses, à partager leur solitude, à s'ouvrir à la possibilité d'une autre vie. Elle dit « J'écris pour leur dire, je sais que vous êtes seuls. J'écris pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Moi aussi, je suis seule. Nous partageons cette solitude, nous sommes ensemble dans cette solitude. Ça ne va pas nous sauver, mais c'est toujours cela. » Et même s'il n'y a pas d'happy end à la fin, même si l'autrice dit « La littérature ne m'a pas sauvée », elle semble y trouver quand même du sens, de la consolation, de la joie. Triste Tigre a été nommée à plusieurs prix littéraires et a remporté notamment le prix Femina et le prix littéraire du Monde. Vous pouvez retrouver ce roman sur le site à l'adresse suivante médiathèque-du6-départemental.isère.fr. We'll be right back.
Bebop.